Coucou, c'est moi, Oulala Soul. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon rangement de maquillage et je vais ranger avec vous. Donc sans plus attendre, c'est parti, je vais ouvrir tout mes... ce petit truc, je sais pas si vous voyez jusqu'au bout. Bref, tout ça c'est mon maquillage et j'en ai même ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'en ai même ici. Mon objectif évidemment c'est de me débarrasser des choses que je ne me sers pas, qui ne me servent pas et qui sont périmées ou qui sont cassées ou quoi que ce soit. Voilà. C'est parti, premier truc. En fait, je vais mettre tout sur la... Voilà, donc j'ai tout mis et mon objectif c'est d'essayer, je vais bien dire d'essayer, allez, de garder ce que j'utilise vraiment. Donc moi j'ai un faible pour les MAC, hein, donc je vais garder tous les MAC parce que ça coûte cher et parce que je m'en sers quand même et je les aime beaucoup. Voilà, c'est un MAC ça, ouais. Yeah. Et c'est bon, je vais pas ranger un là qui est gris. Et un là. Voilà, donc j'ai déjà pris tous mes MAC et j'en ai 2, 4, 6, 21. J'en ai 21, donc c'est énorme. J'en ai pas besoin de 21. Donc déjà, là, déjà, voilà, on va essayer de trier. Alors, les rouges à lèvres dont je ne me sers plus du tout, ou alors qui a un truc que ça m'énerve, eh bien, c'est malheureusement les deux Etude House que j'avais eu. Alors ça, je l'avais acheté, puis ça, je l'avais eu gratuit, je crois. Leur couleur est magnifique, mais alors qu'est-ce que ça, ça tient mal, ça en fout partout sur les dents. Non. Donc ça, je vais forcément le mettre à la poubelle. Trois rouges à lèvres que je vais garder parce que c'est des beaux rouges à lèvres, c'est des rouges à lèvres qui coûtent cher. J'en ai deux de Yves Saint Laurent et un de Dior, donc ça je vais les garder. Ensuite, alors là, en fin de compte, ce qui reste c'est, ça je vais le garder parce que je l'ai eu il y a pas longtemps, c'est Fanny qui me l'a donné, parce que sa maman est allée en France, donc voilà. Et le reste... Eh bien, je vais essayer de m'en débarrasser. J'ai acheté parce que c'était mignon, etc. Mais franchement, je le mets jamais. La couleur est pas top. Je trouve que la couvrance non plus. Et ça tient pas non plus. Donc, out! Les mêmes quand même, hein. Je sais pas si vous voyez une différence, vous. Je vais garder celui-là et celui-là je vais m'en débarrasser. Ensuite on a donc trois Etude House. Ah, celui-là je l'aimais bien. Celui-là, je vais regarder ce que c'est. Ouh, je savais même pas que j'avais ça moi dans ma collection. Donc j'en ai quand même moins qu'avant. Bon, c'est pas non plus. Mais bon, je pense que de toute façon, va falloir faire petit à petit. Voilà. Donc, mais j'ai quand même, je vais vous montrer ce que j'ai juste en lipstick. Hein, tout ça qui part à la poubelle. Donc, ça va quand même. Ça va. Ensuite, deuxième tiroir. On a plein de trucs. Il y a des masques, ça je vais les garder parce que de toute façon j'en fais et j'ai envie de faire une vidéo en fait, un masque par jour pendant une semaine et de voir si ça change ma peau ou pas. En tout cas pour l'instant c'est pas ça le sujet, donc on va regarder ce que j'ai là-dedans. J'ai trois grosses palettes comme ça, Coastal Scent, que je ne m'en sers, jamais, mais vraiment. Jamais, c'est-à-dire comme jamais, quoi. En plus, ça fait des années que j'ai ça. Ça doit être périmé depuis très longtemps. Je vais en garder deux. Je vais en garder deux. Je vais pas garder celle-là.
j'arrive pas à me détacher de ces deux-là, même si je ne m'en sers jamais strictement. Mais bon, on sait jamais, on sait jamais. Et ça c'est vraiment un problème, parce qu'à chaque fois je pense on sait jamais. On sait jamais de quoi. Qu'est-ce qui va t'arriver, que tu vas avoir besoin de ça? Non. Et la seule palette que j'utilise daily, c'est celle-là, c'est celle de Inglot que j'avais fait quand j'étais à New York. Je suis mes fans des... C'est surtout le highlighter, il est magnifique, mais cette truc-là, elle est trop bien. Et ça, c'est vraiment... Si j'en avais qu'une seule, c'est celle-là que j'aurais choisie, tu vois. J'en ai une de MAC ici, mais franchement, je m'en sers jamais. Et ça fait un bout de temps que je l'ai. C'est la Wonder Woman. Ça me fait mal au cœur parce que je me dis que ça coûte la peau du cul. Pourquoi j'ai acheté ça? Nye Nye. Bref, on fait tous des erreurs dans la vie. Voilà. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on a dans le truc que là? Alors, je vois un tint de Too Cool for School. Je vais le mettre à la poubelle aussi. Là, ça, alors ça, c'est le crayon. Je vous explique, je sais pas si vous voyez la tête du crayon, mais ça c'est un crayon que je mettais au lycée et que j'ai toujours. C'est le Yves Saint Laurent. Ce crayon, c'est le crayon de mon enfance quoi. C'est purement sentimental, donc je vais vraiment le mettre à la poubelle. Au revoir petit crayon, tu m'as bien servi pendant le lycée, c'était vraiment bien. Merci. Ensuite, j'ai plusieurs eyeshadow liquides que vous pouvez voir ici. Donc j'ai Innisfree, j'ai Giorgio Armani, j'ai Unpretty et j'ai Yves Saint Laurent et Innisfree et The Same. Donc j'ai tout essayé, toutes les marques de trucs comme ça. Et franchement, les mieux... C'était les The Same, donc ça je vais le garder parce que The Same ils sont bien. Le Giorgio Armani il était pas mal aussi en fait, en fin de compte, en travaillant dessus il était pas mal. Je vais garder le Yves Saint Laurent parce que ça m'a coûté une blinde, mais je vais me débarrasser du Innisfree malgré sa beauté phénoménale. Je n'ai pas, bon ça va c'était pas trop cher donc ça va. Et le Unpretty qui est vraiment pas top, qui se voit pas beaucoup comparé au Innisfree. Je vais peut-être garder le Innisfree, on sait jamais. Ah, j'aime pas ce... Tu vois, cette logique là de on sait jamais. Là, j'ai un crayon marron de MAC. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Je mets jamais du marron sur mes yeux. Du liner marron sur mes yeux. What? Ensuite... ensuite là en fait je me suis racheté celui-là, alors ça y est j'ai reacheté quelque chose d'inutile qui est le maquillage. Donc j'ai racheté un Tony Moly, un eyeliner de Tony Moly, parce que celui-là je voulais vous montrer la tronche qu'il a. Voilà, ça fait au moins 6 mois et ça la fille, j'arrive jamais à finir, mais alors comme ça fait au moins un an que je l'ai le truc, je préfère changer, genre c'est 5€, donc je préfère changer, avoir un nouveau truc, que ça soit moins périmé, je ne sais pas, bref. Alors là j'ai un eyeliner que je voulais essayer des eyeliners il y a quelques temps déjà, il y a quelques années. Et j'ai essayé le Benefit Magic Ink qui était complètement pourri, donc ça voilà, je n'ai jamais utilisé encore. Puis là il y a des ombres à paupières mais je vais les garder parce qu'elles sont très très brillantes et elles sont magnifiques, donc je vais garder ça. Donc en fin de compte je garde pas mal de choses là, je suis désolée hein, mais j'ai mis pas mal de choses aussi au tas comme je le dis depuis tout à l'heure, petit à petit. Voilà, donc dans ce tiroir là j'ai rien du tout, c'est que mes accessoires, mes boucles d'oreilles, mes lunettes de soleil. D'ailleurs en parlant de ça, je vais mettre mes lunettes de soleil ici. Donc quatrième tiroir, c'est le tiroir du un peu de base make-up, on va dire. Donc j'ai ma crème, ma bébé crème. D'ailleurs j'en ai deux neuves qui attendent.
Et une bah, que j'ai fini aujourd'hui, donc bah, ça je vais mettre à la poubelle. Et comme j'en ai deux nouvelles, bah, je vais m'utiliser les deux nouvelles. Ensuite j'ai ma crème solaire préférée, c'est la Claire's. J'aime beaucoup. Mon déodorant. Alors ça, donc tu vois. Alors ensuite ça c'est clairement un truc que j'ai regretté beaucoup beaucoup d'acheter. Parce que c'est un produit MAC et c'est Disney Cinderella. Donc c'est une évidemment une édition limitée. Je l'ai quand même utilisé pas mal hein, parce qu'on voit quand même le bout du truc quoi. Au milieu, je sais pas si vous voyez, mais au milieu on voit le bout du truc. Il en reste quand même un peu. Mais franchement, le truc ça se voit pas du tout. Enfin, en fait moi je m'en sers un peu comme poudre qui sète un peu tout quoi. Mais... ça c'est pas, c'est censé être un highlighter. Donc ça je vais m'en débarrasser parce que j'ai un highlighter qui est d'ailleurs très horrible, qui est tout cassé de je ne sais pas quoi. Je sais pas si je vais pouvoir le montrer, mais il est tout cassé. C'est le MAC Gentle Soft and Gentle et c'est le troisième ou quatrième que j'achète. Et c'est le seul highlighter que j'aime autant. Voilà. Donc je vais le garder. Je vais utiliser mon petit... parce que j'ai une boîte comme ça de Pikachu que je voulais mettre pour ranger. Je sais pas si ça va m'aider à ranger, mais en tout cas, je vais mettre mes blushs dedans. Hop. Et hop. Ça, je vais le mettre à côté. Et je crois que c'est le dernier... ouais. Dernier... le dernier tiroir. Là on a des masques aussi, des masques. En fait c'est plutôt un tiroir fourre-tout ça là, c'est un tiroir fourre-tout, donc on va mettre tout ce qui est électronique dans les trucs électroniques là parce que ça va pas du tout. Et mais j'ai en fait j'ai une autre BB cream là, putain j'ai 3 BB cream d'avance. Ok. Je découvre des trucs. Bon bah je vais le mettre là comme ça tout le monde est à... tout le monde est ensemble, là j'ai un fit-à-tir, là j'ai un truc. Putain mais j'ai des trucs là, je découvre des trucs. Qu'est-ce que c'est ça? Ah c'est un sérum, c'est cool. J'ai cette petite trousse qui est pour mettre les trucs, les accessoires nail. Donc je vais mettre mon clip. Je vais prendre, genre je dois avoir... facile, je sais pas combien j'ai de vernis mais franchement j'ai pas beaucoup de vernis donc je pense que je vais les garder tous. Je vais vous les montrer, tiens, mes vernis, pour vous montrer combien j'ai exactement de vernis. Donc ça, ça va être la pochette nail. Donc ce que je vais garder forcément c'est mon top coat et mon base coat gel de Etude House parce que je fais ça souvent. Et donc les deux couleurs que j'ai de Etude House gel. Voilà. Ensuite, là, j'en ai un que j'ai utilisé sur ce doigt-là. C'est un rose pailleté que je fais carter beaucoup parce que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup, si vous pouvez le voir, j'aime beaucoup le pailleté en fait. Donc je vais garder le pailleté parce qu'en plus, ça c'est un OPI et ça coûte la peau des fesses. Mais... j'en ai un autre aussi, un vert de ma couleur. Je ne sais plus où j'ai foutu ça. Voilà. Et c'est Marianne. Et être... comment être organisée, Marianne? Bon, je vais garder tout, en fait. Voilà. Parce que j'en ai pas beaucoup. J'en ai clairement pas beaucoup. J'en ai des couleurs, hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Pile poil 10. Avec le vert que j'ai, ça fait 11. Du moment que ça rentre dans la petite boîte, dans la petite trousse, ça me va. Eh bien, ma foi, je ne sais pas si vous pouvez voir là ce que j'ai mis sur le côté. Vous ne voyez sûrement pas. Mais là, là, j'ai un gros truc avec plein de trucs que je vais mettre à la poubelle, donc. Je suis vraiment très contente parce qu'il y a pas mal de choses. Ça me fait un peu peur d'ailleurs, mais voilà,
Ça fait pas beaucoup, je sais. Mais déjà, ça allège pas mal de choses. Je vais mettre ça aussi à la poubelle parce que ça, c'est nul. Voilà. Ça allège quand même beaucoup et c'est rangé. Voilà. Et bien, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, ce sera la cuisine. Donc, si ça vous intéresse, bah, venez demain. Je parlerai de ma cuisine et je vous montrerai le bazar dans ma cuisine et on rangera ensemble. Parce qu'on est comme ça, on est des amis, on est des choubidous et on range ensemble. Voilà, solidarité, choubidou. Mais voilà, j'aime beaucoup les choses et comme vous pouvez voir, j'ai toujours des excuses et c'est pas bien, je sais que c'est pas bien. Et je sais qu'il y a des trucs encore que j'ai et que je n'utiliserai jamais. Mais c'est plus fort que moi. Donc je travaille sur moi-même tout le temps là, mais je travaille sur moi-même. Je fais des efforts et voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Si vous voulez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et tous les autres réseaux sociaux, mon nom d'utilisateur est toujours le même, c'est OulalaSoul. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! Mouah! Et je vais vraiment mettre ça à la poubelle avec vous. C'est parti! Allez! Bonne route.